Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mr. Fox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Go Lumière. On se retrouve pour l'épisode 16 de notre let's play. Et donc nous devions parler à Jucharp pour commencer le match contre je sais plus qui en fait. C'est qui déjà? Là c'est Arion et Hector, Gabi doit être sur le terrain, très bien. Non, sans. Donc on va être lui. Il faut qu'il soit là. Donc on va reculer lui comme ça, comme avant. Et on va mettre Shunsuke ici. Hop, voilà, on va faire comme ça, ça devrait aller. Parfait. Et souvenez-vous, concentrez-vous sur le match et évitez à tout prix d'être pris dans une bourrasque. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les terrains qui font des trucs chelous, là. Mais que font-ils? Raymond laisse Garcia sur le banc, pourtant il est au cœur de leur système de défense. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils ne savent pas qu'ils ont à faire, sinon ils ne prendraient pas de décision aussi téméraire. Si on les élimine dès le premier tour, ils se rendront compte qu'ils perdent leur temps. Je n'arrive toujours pas à croire que Doug est avec eux. Ouais, enfin, s'ils laissent Doug être leur attaque en phare, ils ne doivent pas être si terribles que ça non plus. Ne commence pas à croire que nous avons déjà gagné. Ce match va être très très difficile. Montrons-leur de quoi on est capable. Ouais! Attends, putain, mais c'est qui déjà? J'ai oublié. Laissez-moi faire, je défendrai notre but. Tu es sûr que laisser Gabi sur le banc est la bonne solution? Pour battre les mers lunaires, nous avons besoin d'une défense solide. Les mers lunaires, voilà. Ne t'en fais pas. Je soutiens Marc dans sa décision, et puis les joueurs peuvent s'améliorer en cours de match. Nous voilà enfin au coup d'envoi du match qui oppose The College Raymond à l'Académie Militaire des Mers Lunaires. Je pensais qu'il allait dire une autre phrase, mais non. Sortez votre stylet. Il n'y a pas de souci, je sors ma souris. Ok. Alors. Ah, oh, une musique qui se fait démonétiser sur Internet. Enfin, sur YouTube, génial. Inazuma Eleven Go, le let's play démonétisé. Hein. Enfin, monétisé pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. De toute façon, vu ce que ça rapporte. Voilà. Honnêtement, je m'en fous, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça fait moins de vues après quand c'est démonétisé. Mais bref, pas grave. Franchissez la ligne ballon au pied. Très bien. Hop. Hop, hop, hop. Victor. Merci. Soldats, en formation Alpha. Chef, oui, chef. Ta gueule, toi. Les mers lunaires opèrent un spectaculaire changement de formation. Quelle stratégie originale! Leur ligne de défense est scindée en deux. Ils laissent donc un large couloir pour leurs adversaires. Que se passe-t-il? Leur but est totalement dégagé. Voici la stratégie spéciale des mers lunaires. La formation inébranlable. Tous au garde à vous. Nous sommes des rocs immobiles et fiers. Ils ne bougent plus, mais pourquoi laissent-ils des trous béants dans leur défense? Le moment est imminent. Tenez bon, soldats! Parce qu'il va y avoir les tornades. Ouais. Enfin, les tornades. Les coups de vent, comme ils appellent. Dans l'anime, c'est des tornades, je crois. Des trucs du genre. Je sais plus trop. Ah! Les tornades, les souffles comme des feuilles. Les mers lunaires savaient exactement où les turbines allaient souffler, c'est pour ça qu'ils se sont mis à l'abri. Que cela vous serve de leçon, vous devriez voir vos têtes, vous avez tous l'air dégoûtés, c'en est presque drôle. Et tout ça parce que vous avez préféré faire les malins et désobéir au 5e secteur. Je parie que vous mourrez d'envie d'abandonner. Mais de quoi tu parles? Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait? Hein? On joue pour de vrai, pour que vous compreniez le vrai football. L'autre équipe sait quand les turbines sont activées, ça leur donne un sacré avantage. C'est déloyal. Tout n'est pas perdu, nos joueurs doivent simplement faire plus attention à la direction du vent. N'importe quoi, ce vent, je ne peux même pas approcher. Le vent, mais oui, une tornade, ce n'est qu'un gros coup de vent tourbillonnant. J'ai trouvé, si on a le vent de face, il nous suffit de changer de direction et de laisser porter. Voyons voir si ça fonctionne. Ah, c'est eux qui ont le ballon, fait chier. C'est leur gardien, oh non. Le gardien, il a des trucs. Le gardien, il a un esprit, ça va être chiant. Je m'en occupe. Raté. Pas si vite, je n'ai pas dit mon dernier mot. Il
Waouh, pas mal du tout, il arrive à se remettre rapidement sur pied. Et Thor, c'était incroyable. On dirait que le coach Evans a fait le bon choix en me faisant jouer à la place de Gabi. On voit vraiment qui a sa place dans l'équipe et surtout qui ne l'a pas. Je ne sais pas, si on se demande ça. Si on se demande qui a sa place dans l'équipe et qui ne l'a pas, le football va finir par se sentir seul. Oh là là. Comment ça, seul? Le football se sentira seul? Je ne comprends pas. D'accord. Franchissez la ligne. Non mais il est sérieux, mais il court trop vite. Et voilà, super. Génial. Putain, j'en ai marre. Non mais sérieux, j'avais cliqué en plus. Je fais dépenser une technique du gardien pour rien là, c'est chiant. Mais non, mais là, mais non, mais t'es sérieux? Putain, les gardiens, ils envoient la balle trop doucement, quoi. Mais... Oh, mais... Oh là là, mais... Oh là 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 là. Sérieusement, mon équipe est pourrie. Non, mais... Putain... Allez, on prend la balle. C'est puni par la loi, ça, monsieur, de faire blesser les gens, en fait. Oh là là, mais tout le temps, ça rate tout le temps tous les tacles, c'est chiant. C'est puni par la loi de faire du mal aux gens. Putain, mais sérieux? Oh, on a vraiment le même level là ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je rate tout et il rate rien? C'est casse-couille. Au bout d'un moment là. Mais putain, mais regardez ça, mais... Allez vous faire enculer! Merde quoi, bordel! Mais t'es sérieux? Mais putain, mais... Putain de merde, mais... Mais allez vous faire baiser! J'en ai marre, quoi! Je peux pas quitter la putain de zone! Genre, merde! Putain! Mais oh là 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 là. Putain, c'est pas possible quoi. Soldats, ordre du coach, retraite et regroupement, c'est le moment. Déployez la formation évolutive de combat, tactique spéciale, attaque cyclique. Ah! Encore un changement de formation de la part des mers lunaires. Mais que nous réserve-t-il encore? Ils vont de plus en plus vite et leur vitesse crée des ondes de choc sur le terrain. L'équipe de Raven ne peut pas les approcher. Ils changent constamment de formation. Ils sont trop rapides pour nous. Dans ces conditions, comment récupérer le ballon? Vous croyez que ça va m'arrêter? Ça suffit, Hector, arrête! Il n'est pas question que je reste à ne rien faire. Je refuse de m'avoir vaincu, surtout contre ces gars-là. Ce n'est pas vraiment le genre de choses que dirait un impérial. Et ce pauvre Cazador mord à nouveau la poussière. Mais que fait-il? Il revient à la charge, on dirait qu'il en redemande. Ah!
Le collège Raymond est totalement impuissant face à la tactique spéciale des mers lunaires. Et Thor. Encore? Oh là là, mais fort, mais... Oh là, mais... Ah! J'en peux plus. Avance, la comte t'es mort. Mais d'accord, ok. Genre, je pouvais pas lui faire une passe, quoi. Sherwin se dirige délibérément vers une tornade. Que peut-il donc avoir en tête? Elle arrive, et cette fois, hors de question que je perde le ballon. Il a réussi. Le dribble Zephyr l'a aidé à passer la tornade. Peu importe les obstacles qui se dressent devant nous, je sais que nous sommes à même de le surmonter. Intéressant. Oui, bon, bah, c'est rare, rien de mieux. Mais je voulais invoquer, moi! Et voilà, j'ai pas eu le temps. Putain de merde, de ta merde! Ah ouais, je préfère. Non, ah, j'ai pas eu le temps. C'est bon, je devrais passer du coup. Oh non, ça passe pas quand même, putain, fais chier. Genre, il y a des alertes tornades et tout, MDR. Yes. Ah, c'est sympa ça, les tornades, je trouve, en vrai. Alerte tornade, MDR. La prochaine fois, vous ne franchirez pas nos lignes de défense. Ouais, ouais, super. Oh, tellement cancer. Hop, petite esquive. Et enfin un tir. Oh, c'est rentré, nickel. Comme ça, on se met bien au moins. Oh, on se met bien, c'est cool. Ah, ça y est, il l'a plus, lui. C'est bien, ça. Allez, hop. Ah, par contre, il a invoqué. Hop, Pégase.
Hop. Ok, mi-temps, parfait. Soldats, gardez nos objectifs en tête, c'est notre chemin vers la victoire. Ne baissez pas votre garde, continuez comme ça. Ok. L'attaque cyclique. Coach Evans, vous avez une idée pour contrer cette tactique? Qu'en penses-tu, Gabi? As-tu bien observé leur tactique? Moi? En fait... J'ai remarqué qu'à chaque changement de position au sein de leur formation, ils laissent un espace libre pendant quelques secondes. Depuis le terrain, on ne peut pas le voir parce qu'on est gêné par leur course, mais d'ici, je le vois parfaitement. Alors le coach Evans et Monsieur Sharp ne t'ont pas mis sur le banc pour que tu te calmes? Garcia est la pièce centrale de notre défense. Son travail est de décrypter les mouvements offensifs de l'ennemi pour en trouver la faille. Je voulais que vous compreniez tous l'importance de la défense, et que vous découvriez vos lacunes. Et maintenant, tu sais ce qu'on doit faire, Gabi, pas vrai? Si on veut les battre, c'est à Hector de jouer. Après avoir été déséquilibré, Hector peut se remettre debout plus rapidement que n'importe qui. Lui seul peut se faufiler dans leur attaque cyclique, alors même qu'ils sont vulnérables. Il peut leur prendre le ballon. Mais comment Hector saura-t-il à quel moment frapper? Si vous me laissez jouer, je pourrai les observer et lui donner le signal. Très bien, on va faire un changement. Hector, sois prêt à agir quand je te le dirai. Pff, tu crois vraiment que je vais t'obéir? Oui, je le crois. Je crois que tu veux gagner ce match autant que nous, et grâce à toi, on peut y arriver. Sérieusement? Ok. À toi de jouer, Hector. Oui, on te fait confiance. Montre-nous ce que tu sais faire. Ouais, allez, pas de stress, pas de pression. Ouais, c'est ça. Du coup, faut que je le remonte. Hop, on va repasser comme ça, hop. Techniquement, lui, en fait, il est tout cassé, donc on va en faire comme ça, en fait. Ah, par contre, ils ont trop d'invocateurs dans leur équipe, là. Soldats, on reproduit la même formation. Attaque cyclique. Bon, moi, je suis bien, j'ai surtout à défendre pour l'instant. À toi de jouer, Hector, maintenant. Ouais, il va y arriver. On dirait bien que Cazador va une fois de plus se retrouver au sol. Mais non, c'est incroyable, il a réussi à traverser la formation et à subdiviser le ballon. Je l'ai eu. Il a réussi, il leur a volé le ballon. L'attaque cyclique n'est pas si impénétrable après tout. Gabi, Hector, bien joué. Hector, j'étais sûr que tu y arriverais. Tu as un équilibre à toute épreuve. Oh, tu sais, j'ai juste eu de la chance. Regarde, mec, c'est ça pour nous, le vrai football. Vous commencez sérieusement à me gaver, tous, avec votre vrai football. Impossible, comment des amateurs peuvent-ils faire voler en éclats une technique si bien rodée? On dirait bien que nos adversaires commencent à douter. Cette équipe est talentueuse, mais le football régulé l'a fragilisée. Ses joueurs se retrouvent désemparés face au vrai football. Dans un vrai match, tout peut arriver. C'est lors de retournements de situation que l'on se rend compte de la valeur d'une équipe. Franchir la ligne. Hop, petite esquive. Hop, petite dribble. Quelle bande d'incapables. On aurait dû les battre facilement, mais rien ne s'est passé comme prévu. Je dois tout faire moi-même. Il est hors de question que je perde ce match, sinon à quoi bon avoir quitté Raymond? T'as vu? Je fais de ces bruits, moi. Et voilà que MacArthur pénètre la défense de Raymond en affichant une parfaite maîtrise du ballon. Pas croyable. D'habitude, Doug est bien plus calme et posé. Je ne l'ai jamais vu jouer de cette façon. Mais que fait le cadet MacArthur? Cadet MacArthur, ton courage m'a ouvert les yeux. Soldats, battons-nous aux côtés de notre compagnon pour la victoire. La détermination de MacArthur a su rassembler son équipe. Il veut remporter la victoire et il communique ses désirs à toute son équipe. C'est ça, le football. Oui. Oh oui. Oh merci le bot. Merci d'avoir tout foiré. Ah. Tacle. C'est vrai que j'avais oublié qu'au final il y avait des tornades en fait. Hop. Allez vas-y Victor.
Mur de Gaïa. Ah. Ok, c'est passé, parfait. But. 3-0 pour une équipe qui était censée être super forte, franchement ça va. Ah non, c'est fini, je voulais en mettre un deuxième. Enfin, un quatrième, mais... Bon bah tant pis, c'est pas grave, 3-0 c'est déjà pas mal. Surtout qu'ils m'ont bien fait rager au début en plus. Impossible, notre stratégie n'avait pas la moindre faille. Youpi, quelle victoire. Waouh. Bah super. C'est ce que je viens de dire. Comment a-t-on pu perdre? Parce que t'es nul. Gardez la tête haute, soldat. Nous n'avons pas été victorieux sur le champ de bataille cette fois. Mais nous avons combattu avec valeur. Ce match était et en trichant. Le premier face à face avec le vrai football. La première fois que je pouvais respecter mon adversaire. J'ai engagé toutes mes forces et toute ma volonté dans cette bataille. C'est ce qui constitue pour moi un vrai match. Oh. Un vrai match. Mais oui, c'est évident. Waouh. Ricardo, j'ai enfin compris ce que l'équipe de Raymond essaie de faire. Vraiment? Vous êtes de plus en plus proche de votre objectif. Vous arriverez peut-être à faire revivre le vrai football. Et comment qu'on va y arriver? Alors, bonne chance pour la suite du tournoi. Arion? Hein? Oh, merci. Dog, ne pars pas. Rejoins notre équipe si tu veux. On pourrait avoir besoin de toi. Merci les amis. Je n'ai pas envie. Non mais sérieux quoi, il t'aurait pu revenir. Bon mais t'es un connard, de toute façon je t'aime pas donc. Qu'y a-t-il? Tu voulais me dire quelque chose? Je voulais te remercier pour m'avoir fait confiance. T'avoir fait confiance? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais, tu voulais gagner, voilà tout. Mais je suis maintenant certain que tu aimes vraiment le football. Ah ouais? Mais je suis peut-être un impérial. Attends de voir de quoi je suis capable. Tu n'es pas un impérial. Hein? Continuons de faire équipe et de protéger les buts de Raymond. Ensemble. Ouais. Ouais. Mais si un jour tu regrettes ce que tu viens de dire, ne viens pas pleurer. Waouh, sympa. Coach Schiller! Marc, je te remercie d'avoir accepté de garder un œil sur Hector. Je suis désolé de t'imposer ça comme ça. Aucun problème. Et puis, il aime le football. Il est donc le bienvenu dans mon équipe. Il joue parfois les effrontés, mais à sa manière d'évoluer sur le terrain, je sais qu'au fond, c'est un brave gamin. C'est vrai, il avait 11 ans lorsqu'il est arrivé à l'école du soleil. L'entreprise de son père a fait faillite à la suite d'une escroquerie, et puis toute sa famille s'est séparée. Hector a toujours été seul et n'a jamais vraiment pu s'intégrer. Après cette histoire, il a dû décider de ne compter que sur lui-même. Mais il adorait le football, on le voyait toujours seul avec son ballon. Hector, Gabi, vous êtes là? On va fêter notre victoire chez Arion et on dormira là-bas, comme ça on pourra passer la nuit à parler du match. Hector, tu veux venir avec nous? Ma tante va préparer un gâteau super bon, sans blague, ces gâteaux sont vraiment délicieux. Oh, pourquoi pas, merci. Il ne se quitte jamais ou quoi? Ne vous en faites pas pour Hector, tout ira bien, et puis maintenant le reste de l'équipe va prendre soin de lui. J'en suis sûr, Raymond est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Vous avez dormi sur le tapis, sérieux? Non, tante Sylvia, je ne peux plus avaler de gâteau. Ouf! Oh la vache! Oh, Sky, c'est toi? On est à l'école? Vous avez décidé de faire la grasse matinée? Ils vont annoncer les résultats du premier tour de l'élection de l'Empereur Sacré à la télé, on ne peut pas rater ça. Ah oui, l'élection, je me demande comment ça se passe. Waouh, il y a des reportages sur les élections gouvernementales, du 5e secteur. Parce que c'est vrai que c'est plus important que le reste. Alors montre-nous ça. Le premier tour du tournoi national de la Route du Sacre touche à sa fin. Tous les matchs sont terminés et nous avons les résultats. Ce qui veut également dire que nous avons eu les premières estimations concernant l'élection de l'Empereur Sacré. Monsieur Hillman a récolté beaucoup de votes, il a maintenant le soutien de plusieurs écoles, moi qui avais peur qu'on soit les seuls.
Ça veut dire que beaucoup de monde veut jouer au vrai football. Tout se passe bien, coach Travis. En effet, je pense que depuis le match contre les Mers Lunaires, les écoles commencent à remettre en question l'ordre établi. Oh, Jude, Marc ne vient pas. Eh bien... Comment ça, une mauvaise nouvelle? Oui, sire. Plusieurs écoles nous ont trahis et ont voté pour Hillman. Tout porte à croire que c'est dû à la qualification de Raymond pour la phase suivante. Si ce que vous dites est vrai, nous n'avons plus le choix. Je veux que vous mettiez tout en œuvre pour éliminer le collège Raymond. Pardonnez-moi, sire. Quelqu'un demande audience auprès de vous. Audience accordée, qu'il entre. Suivant. Je t'attendais, Marc. Explique-moi! Tu n'es plus l'Axel Blaze que j'ai connu! À quoi tu joues? Je ne te dois rien, Marc. Axel Blaze n'existe plus. Waouh, plot twist incroyable. Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu tout ça? Tu peux encore tout arrêter. Axel, tu dois nous aider à sauver le football. Celui qu'on aime. Écoute-moi bien. Le football a changé. Et on ne peut plus revenir en arrière. Il est à présent sous mon contrôle. Et il est juste et équitable pour tout le monde. Axel, ce football n'est pas juste. Accompagnez-le. Pourquoi, Axel? Tu aimais le football plus que quiconque. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Ça n'a aucun sens. Réponds-moi, Axel. Nous allons faire le collège alpin lors du prochain match. Et nous allons faire la connaissance d'une ancienne vedette de Raymond. J'adore faire de nouvelles rencontres. Mais je suis toujours triste quand un ami s'en va. Comment ça s'en va? La barrière de glace. Bon bah, ce prochain chapitre arrive à point nommé. Donc oui, on sauvegarde. J'espère qu'on va pas parler pendant 40 ans. Oh, coach, vous rentrez chez vous? Coach? Alors Axel est de leur côté. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait dit ça, pas lui. Écoute-moi, le football a changé, et on ne peut plus revenir en arrière. Il est à présent sous mon contrôle, et il est juste et équitable pour tout le monde. Mais tu tiens toujours à restaurer le vrai football, non? Dans ce cas, fais ce que tu as toujours fait, crois en toi et fonce. Je suis persuadé que te voir te démener ainsi ne laissera pas Axel insensible. J'espère que tu dis vrai. Bref, si on passe à table, je t'ai préparé un steak bleu. La couleur me semble bizarre, mais tout le monde dit que c'est meilleur comme ça. C'est la cuisson qui doit être bleue. Axel, tu aimais le football plus que quiconque. Qu'est-ce qui peut bien te pousser à agir comme tu le fais aujourd'hui? Il y a forcément une explication. Chapitre 8, la barrière de glace. Oui, alors j'aimerais bien arrêter mon épisode à ce moment-là, tu vois. Ah putain, ils vont encore parler 4 heures. Une grande bouteille de lait, s'il vous plaît. Du lait? C'est tout ce que vous prenez? Tout va bien, coach? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Le steak d'hier soir a juste un peu de mal à passer, on dirait. Ne parlez pas de steak, ça me donne faim. Apparemment, notre prochain adversaire est le collège alpin. Il va falloir qu'on travaille à fond sur notre endurance. C'est vrai, en plus d'être réputé pour leur fair play, les joueurs du collège alpin sont redoutables, en attaque comme en défense. Et à ce qu'il paraît, c'est une de mes vieilles connaissances qui les entraîne en ce moment. Ah oui, de qui s'agit-il? Jade, dépêche-toi, c'est dans le hall du club que ça se passe. Ricardo sera tellement déçu si je n'arrive pas à le prendre en photo. Ok. Ralentis un peu, il va pas s'envoler ce type. Qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Il se passe quelque chose dans le hall? On devrait retrouver les autres au club d'ici peu, non? Alors autant aller voir ça par nous-mêmes. Putain, mais on le voit derrière là-bas. Non, mais il y a un mur là, normalement, tu le vois pas. Tiens, bizarre, j'ai eu l'impression de sentir un regard posé sur moi. J'ai dû rêver. Non, mais. Ah là.
Espion! Ouah, des joueurs de Rayman! Espion! C'est bon, on peut partir? Allez voir qui est dans le hall. J'ai cru qu'il y avait marqué. Allez voir qui a acheté du lait, mais j'étais là, mais c'est le coach. Bref, sur ce, j'espère, les amis, que cet épisode d'Inazuma Eleven Go Lumière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains épisodes, de mes prochains let's play, de mes prochains tout, en fait. Et puis, du coup, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Inazuma Eleven Go Lumière. Et sur ce, je vous dis salut à tous. Allez, ciao! À plus, tout le monde!